merde, qui sent la merde. Pourquoi t'es jamais contente, Tyssen? Parce que tu portes tes bagages. Tu t'en as pas visité encore? Attendez, si je change d'avis, je vous le redirai. Si dans cette vidéo vous voyez que je vous redis pas, le merde en place, c'est nul. Regardez, non, mais c'est vrai. Mais arrêtez, c'est pas rigolo, on est bloqué. Por favor, tengan un poco de paciencia. Oh, patience. La llamada ha sido registrada. J'ai eu trop peur. Ah, il va appeler l'assistant. On est coincé dans la chambre. Comment? Ouais. Je vois ça. Appelle la Francia. 5. Oui. Yeah. Et non, ça va. On est coincé dans l'ascenseur, je stresse à fond. Là. On n'a pas le droit d'être 5. Ouais, ben on ne pouvait pas savoir. Ah si, vu la taille de l'ascenseur, oui, ça va. Attention, toi tu vas te coincer le doigt. Ouais. Imagine, il y a une sécurité qui déclenche, là ça lâche. Ouais, arrête, vas-y. Ouais, pauvre. Ah, sa mère, elle doit s'inquiéter. Ouais, mais sa mère, elle est partie. Quoi. Ben, ses enfants, ils doivent s'inquiéter. C'est bon, là, il est assez grand, le trou. Et on va le mettre dedans, comme il faut. Allonge-le bien, quand même. Non, mais là, les gens, quand ils vont venir, ils vont le... Allonge-le bien. Faut toucher avec les doigts. Voilà. Allez, remets-lui tout. Comme c'est la vérité. Voilà. Mets le sable bien, comme ça, personne creuse. Voilà. Tyssen, une petite pierre tombale. Allez, chercher une pierre. On va marquer. Voilà. Riff. On nous dit un truc. Elle se tord la cheville. Elle s'est assise, elle m'a dit attends, s'il te plaît, je vais tomber dans les pommes. Je vais tomber dans les pommes. Tu vois pas ma cheville comme elle a fait, non? Moi, c'est bon comme j'ai dit. Tu vois ma cheville comme elle a fait, ça va tourner l'œil. L'œil, carrément. Elle s'est tordue la cheville. C'est pourquoi je vais tomber dans les pommes, parce qu'il m'a dit on a entendu craquer. Du coup, ça m'a fait tourner de l'œil. Je vous ai laissé et je vous ai pas laissé au bon endroit. Regardez ce qu'elle a fait. Elle vient de s'ouvrir le placard. Avec quoi t'as fait? Avec le placard. Genre tu sais le placard qu'il y a dans le placard. Ouais. Elle vient de s'ouvrir le sourcil. Non mais je rêve. Mais il est maudit ce jour. C'est pas possible. Là, c'est ouvert ou pas? Je sais pas. Attends, je regarde pas trop parce que je risque de tomber dans les pommes. Tyssen, regarde. Ici. Voilà. Tyssen a pleuré toute la nuit. Elle a été malade, donc à quelle heure? À 7h, je suis partie à la pharmacie lui chercher les médicaments. Je crois qu'elle a attrapé soit une insolation, ou soit quoi? Une intoxication. Donc voilà. Le séjour continue dans sa belle lance. Allez, l'autre maintenant nous fait une crise d'asthme. Alors demain prochain épisode de la crise d'asthme. Oui, ok. On était contents parce qu'on s'est dit ouais, on va être juste à côté de la mer et tout. Ok, on est à côté de la mer, mais alors regardez la gueule de l'appartement. Ça. C'est le bordel, j'ai 5 ou 6 lessives à faire, j'ai tout à sortir, le sable à aspirer parce qu'il y a du sable partout, et c'est le grand rangement aujourd'hui. Voilà, donc nos vacances là sont terminées, voilà, j'espère que vous avez profité avec nous, et bien moi je vais ranger, voilà, dites-moi bon courage surtout. Allez, on se retrouve très vite peut-être pour des... prochain vlog, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, et je ne sais pas...